Why Expo 2020 Dubai was important for Monaco to be here? It was the first time in this side of the world that an expo exists. Monaco participated to the expo since 1873. It was presented all the expo during all these years. And for me, it was impossible for the prince, first of all, it was impossible to imagine to not come in Dubai. What is the main message that you wanted to do within your pavilion and the theme you want the public to know about Monaco? First of all, I wanted to change the vision of Monaco. And I like everybody understands that Monaco, it's a real country with so many things. That's why Monaco 360 was the theme of our pavilion. And I hope people has discovered Monaco and another way. Most of your staff are volunteers coming from Monaco. 100%. 100%. How do you evaluate this this approach that you've done? Je pense que c'est ma plus belle satisfaction. C'est le plus bel investissement que nous avons pu faire avec cette exposition universelle, puisque tous ces jeunes gens de Monaco, qui sont venus avec beaucoup d'enthousiasme, ont été mes premiers ambassadeurs de la Principauté de Monaco. Le premier bonjour a été donné par un monégasque. Les explications sur la ville ont été données par des gens de Monaco qui connaissent le pays, qui vivent le pays. Nous n'étions pas dans « on a appris une histoire et on la raconte au public ». C'est l'histoire qu'ils connaissent tous les jours. Et pour eux, à vie, ils garderont cette expérience de Dubaï comme un moment inoubliable. Je pense que tous étaient déjà motivés par Dubaï. Dubaï est un nom qui attire et qui fait rêver. Et de participer à une exposition universelle qui n'a lieu que tous les 5 ans, c'est un moment exceptionnel. Donc, ils ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme pour venir. So, if we look now at your pavilion, I know for a fact that Monaco, and especially the Prince, is very big advocate of the blue economy and the ocean. And in your pavilion, you speak about the ocean, but also you speak about the technologies and about other elements in your pavilion. What are the 2 to 3 messages within your pavilion that you wanted the people to go out with? Ce que je souhaite d'abord, mais ça les gens le savent, Monaco est une dynastie vieille de plus de 7 siècles. Cette stabilité de la dynastie à Monaco plaît. Rassure. Aujourd'hui, le prince Albert II développe encore cette protection de l'environnement au niveau mondial. Monaco, c'est de la technologie aussi, à petite échelle. Nous sommes un tout petit pays, mais il y a quand même des choses. Nous avons vu notre Voxen, la moto électrique la plus rapide du monde. C'est une technologie qui est développée à Monaco. Donc il y a aussi à Monaco des cerveaux, des gens qui travaillent pour préparer le futur dans le sens des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement. L'ouverture auprès des gens, de dire « voilà, Monaco, c'est plein de choses, c'est une réussite » et c'était le but vraiment avoué du pavillon de Monaco. Nous avons un mélange de tradition très ancestrale et de modernisme. Cela grâce à nos princes depuis des décennies et des siècles. Comment vous, jusqu'à maintenant, fait l'évaluation des visiteurs, le numéro des visiteurs qui ont passé par votre pavillon? Alors, l'ambition, c'était plus que d'un total d'un nombre de visiteurs, c'était un pourcentage de visiteurs. L'ambition de Monaco est de maintenir le cap des 4,5 à 5% du visitorat total de l'expo. Je crois que nous n'en sommes pas loin, mais nous savons aussi que l'expo, la grosse affluence vient vers la fin de l'exposition. Nous avons reçu énormément de monde pendant ces dernières vacances, là, du mois de février. Nous sommes aujourd'hui à 4,6 du visitorat total de l'expo, ce qui, pour Monaco, est un score honorable. What is the one message you want to leave the people with? Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'accueil et l'organisation de l'expo ici à Dubaï a été remarquable. Je suis très sincère là-dessus, ça a été un vrai plaisir. J'ai trouvé des gens accueillants, des gens serviables, avec qui les difficultés ont été surmontées
très rapidement et tout s'est bien déroulé. Donc, de faire une expo, de monter un pavillon, d'amener 58 jeunes gens travailler dans une expo comme celle-ci, c'était peut-être un peu angoissant au départ, mais il s'est avéré que ça a été formidable. Alors, oui, je souhaite que les expositions universelles qui vont être organisées dans le futur s'inspireront beaucoup de vos méthodes de travail parce que ça a été franchement remarquable. Thank you for your time. Merci, Omar. And thank you for hosting me here. Merci infiniment. Thank you. Merci beaucoup.